Voilà, bonjour les gens, bienvenue sur ce live sur Amnesia. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Et je sais pas pourquoi, j'ai tous vos commentaires en double. Comme ça. Comme ça, je peux pas vous louper, hein. Voilà, bon, on va cliquer sur continuer, puis voir où ça nous mène ces conneries. Ah, c'est bon, elle est partie de l'autre côté avec l'aspirateur, hein, j'ai pas de risque. Wouhou! Ah bah ça démarre super bien! Ouais! On est heureux! Ah si! Oh, j'avais encore de la lanterne, dis donc. Là, j'avais plus beaucoup de lanterne. Je sais plus du tout ce que je devais faire. Je me rappelle que j'étais dans une prison, que j'avais le trou ici. Mais il me reste encore plein de trucs à vérifier. Il me reste encore plein de portes à vérifier. Joie, joie et bonheur intense sur la terre. Il y en a qui m'entendent comme un robot. Est-ce que tout le monde m'entend comme un robot? Pas l'air d'y avoir de monstres dans le coin. Ici, j'étais déjà allé. Oui, c'est ouvert. Oh putain, j'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai un nouveau micro-casque, hein, avec un son Dolby Surround, hein. Donc c'est du 5.1 que j'ai dans les oreilles. Avec Amnesia, c'est pas exactement une bonne idée. Quelque chose ici. Il y a de la madou et du laudanum. Ouais, c'est ça. Allez vous faire foutre. Il y a une grille là. Allez, marche un peu, Daniel. Oh putain! C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Quelque chose qui est passé là-bas. Bordel. Je vous ai déjà dit que je détestais ce jeu. Je sais même pas où je vais. Il en est où là, mon gars? La tête est au bord de l'explosion, les mains tremblent. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Bah, pour vous faire plaisir. Parce que vous adorez ça. C'est fermé à clé. La serrure est néanmoins très rouillée et faible. Et ici, il y a quoi? Il y a rien, il y a de la lumière. C'est déjà bien. Donc ça veut dire que je suis déjà passé ici, s'il y a une bougie allumée. Il y a un monstre. Ouais, donc pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, hein. Bon, c'est pas le cas maintenant parce que vous êtes tous sur le live, mais merde, je vous emmerde, hein. Je parle dans le futur, moi. J'ai ce pouvoir. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous constaterez qu'il n'y a pas l'image d'une webcam. C'est tout simplement parce que mon téléphone a décidé de dire fuck it, hein. Tu n'utiliseras pas la cam. Donc, voilà. Bref, bon, bah, vu qu'il n'y a rien ici, faut que j'aille dans la prison bloc nord, je suppose. Allons-y, le trou est trop étroit pour s'y glisser à travers. Youpi, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que ça dit? Contrôle plus F5, je peux pas. Alt plus F5, non, je peux pas déplacer le truc. Une des cellules verrouillées de la prison a une serrure fragile. Cherchez un autre chemin autour de la porte barrée. Il y a un trou dans la terre dans une des cellules, mais trop petit pour qu'un homme puisse y rentrer. D'accord, il faut que je trouve un gamin puis que je le sacrifie, c'est ça? Ah bah ça peut se faire, hein. Pas de problème pour moi. Bref. S'il faut que je sacrifie un gosse, c'est dans mes cordes. Je peux tout à fait sacrifier un gosse. Ouais. Je suis allé par là. Mais attends, je suis complètement paumé.
Oh putain. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? C'est quoi? Ah, il est là-bas. J'ai le temps de me casser. Hop, on rush un peu. On vient ici. On se planque au fond de la pièce en espérant qu'il me verra pas. Il me verra pas, je suppose. Mais il est en train de péter un plomb, Daniel, là. Équilibre mental, 3 petits points. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Ah. J'ai pas d'énigme à résoudre. Ça, c'est de la connerie. Monsieur le monstre, vous êtes où? Oh, il est en train de péter un plomb, là. Oh, super, j'en suis au stade où... J'en suis au stade où ma souris a un délai de 2 secondes. Regarde la lumière. Regarde la lumière comme elle est belle. Ah là là. Merde. J'ouvre ici. Enfin, j'allume ici et je verrai bien. Fou là là. Regarde la lampe torche, elle est belle la lampe torche, hein. C'est quoi ces bruits? Putain, le casque Dolby, c'est vraiment pas une bonne idée pour jouer à Amnesia, hein. J'ai presque envie de reprendre mon vieux micro-casque pourri. C'est quoi ces bruits? C'est le monstre qui se déplace ou... Vas-y. Vas-y, reprends un peu d'équipe mentale. Là, il est en 3 petits points. Je risque de devenir fou à tout moment. Allez! Vas-y, Daniel, regarde, elle est belle, la lumière. Regarde-la bien. Elle est magnifique. Il y a un avion qui passe au-dessus, apparemment, d'après les bruits. SCP, je le fais déjà avec Monsieur Eliotata, hein, bande d'incultes. Vous avez qu'à aller regarder sa chaîne, parce que c'est que sur sa chaîne qu'il y a les vidéos de SCP avec moi qui sont. Ah. Juste pour dire. Oh là là. Voici le gameplay magnifique de ce jeu. Regardez une lampe torche pendant 27 ans. Oui, ça vous amuse, moi aussi. Non, il n'y a pas la cam là, mais je suis en train de me tenir la tête. Est-ce que t'as repris un peu? Non, il est toujours en 3 petits points, ce crétin. Bon, au moins j'ai la souris qui est revenue normale. Oui, je regarde Alan Wake. Quoique ça fait un petit moment que je me suis arrêté avec Alan Wake, avec Willon. Je dois m'être arrêté à la partie 20, donc à mon avis il a dû en sortir plein depuis que j'ai pas regardé. Donc ce serait gentil de pas me spoiler. Ce serait vachement sympa. J'apprécierais. Fort. Ah putain. Vas-y, vas-y. La tête est au bord de l'explosion, les mains tremblent. Ok, on doit attendre encore un petit moment. Ah. En même temps, là, tout ce que j'ai à faire, hein, c'est regarder vos commentaires en double. Hein. Oui, tous vos commentaires se postent en double. C'est magnifique. Ah, oh, cette lampe torche est tellement belle. La tête est au bord de l'explosion et les mains tremblent. Ouais. Vous aussi, quand vous êtes stressé, vous vous mettez à regarder la lumière fixement. Non, moi, c'est ce que je fais, hein. Bon, les commentaires fap 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 et masturbation, c'était marrant au début. Maintenant, c'est chiant. Je tiens à le préciser. Voilà. Oui, j'ai des news de David. Il va mieux.
Dragon D, c'est chiant. Voilà, je le précise, hein. Je suis sympa pendant les lives, généralement je vous laisse dire ce que vous voulez. Mais les blagues sur la masturbation, le fap 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 et tout, c'était marrant les 4 premières secondes de live et après c'est déjà devenu vieux. Hein. Eh bien, je lui transmettrai ton gros bisou, Sophie, mais je pense qu'il va moins l'apprécier de ma part. Plutôt le gardien. Pourquoi j'ai pas répondu à ton email? Bah déjà parce que je reçois je sais pas combien de centaines d'emails par jour, pour de vrai. Hein, donc il est peut-être passé au travers de ma vigilance. Bon, du coup, j'essayais de partir par où avant, moi? C'était par là? Non, bah attendez, je suis revenu ici! Mais j'ai complètement perdu mon sens d'orientation, ou quoi? La. Non mais sérieux, je dois aller où? La serrure est rouillée. Nah, ouvre, ouvre-toi, ouvre, ouvre-toi. Oh là là. Il y a quoi déjà là-dedans? Oui, attendez, j'étais venu d'ici. Ouais, je me rappelle, c'était ici que j'avais dit à Daniel de regarder la bougie pendant 10 ans. Je sens que je vais pas progresser durant cette heure de live. Allez, je m'arme d'une chaise. C'était ici que le monstre était apparu. Est-ce qu'il est encore là? Je le sens pas. Je le sens pas. Il y a une bougie. Regarde la bougie. Quoi? 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 Putain, c'est quoi ça? Mais putain, mais j'en ai marre de ces bruits d'ambiance là. Ambiance, mais d'où quoi? Bon, je sens qu'il y a un monstre qui va arriver là. Vu la musique, c'est pas possible autrement. Et sérieux, si les bruits d'ambiance et ces conneries du genre, c'était juste pour faire peur aux joueurs. Non, ça fait aussi peur à Daniel, ce qui fait que ce connard est de nouveau en 3 petits points. Bordel de merde. Et là, j'ai de nouveau ma souris qui a juste une seconde de décalage, quoi. En 12 minutes 50 de live, j'ai dû faire 10 pas. Bordel. Chiasse. Chiasse, c'est le mot qui me vient de mieux à l'esprit, là. Chiasse. Bien, j'espère que vous êtes ready pour regarder de nouveau une bougie pendant 5 minutes, parce que là, vu la sensibilité que j'ai niveau souris, regarde là cette putain de bougie, t'as vu comment elle est belle et elle brille, connard. Ah, 30 personnes qui viennent regarder un mec qui regarde une bougie. Vous avez vraiment que ça à foutre, hein. Ah. Elle est belle, hein. Je sens que je vais mettre une annotation sur YouTube du genre j'arrête de regarder la bougie à 17 minutes 20 ou une connerie du genre. Là il y a un avion qui passe, hein, je mens pas, ce bruit là qu'on vient d'entendre c'était un avion, hein. Donc je croyais qu'on était genre en l'an 1800 et quelques, je savais pas qu'il y avait déjà des avions à réaction à l'époque. Oh putain, bon. T'en es où Daniel? T'en es toujours en 3 petits points, va te faire foutre! Mais va te faire foutre quoi! Sérieux, elle est pas assez bien cette bougie, attends je vais t'en trouver une autre, y a pas une autre bougie qui traîne dans le coin? Oh là là. Bon merde. Let's go. Vas-y, on va dans le noir, Daniel, que t'aies peur ou pas, j'en ai rien à foutre. C'est fermé? Pourquoi c'est fermé? Ah super, tout ça pour rien.
C'était utile tout ça. Ah, il y a peut-être une meilleure bougie ici. Maintenant que j'y pense. Oh, de l'huile! De l'huile! Mon dieu, de l'huile! J'ai deux trucs d'huile! Ah! Oh, lumière! Joie! Intense! Il y a de l'huile! De l'huile, les gens, vous rendez compte? C'est genre le truc le plus rare du jeu. Et j'en ai trouvé. Comment je suis trop fier de moi. Mais attendez, ça sert à rien d'être ici, en fait. J'espère que vous voyez autant rien que moi, hein. Pourquoi cette boue, cette lampe torche est allumée? Qu'est-ce que c'est ici? Merde, je suis revenu au départ! Bordel! Non mais sérieux, dites-vous bien que quand je vous dis, quand vous voyez rien, quand je suis dans le noir, c'est pareil pour moi, je ne vois rien. Hein, mais genre rien du tout. Bien, ici il y a quoi? Il y a un lit. Oh, il y a de la madou, ça veut dire que je suis pas passé par là. C'est cool, ça veut dire que je suis pas encore passé dans ce coin de la prison. Ici c'est un éboulement avec de la madou. Allumons un peu la lanterne. Youhou. Bien, là-bas c'est fermé. Donc je sais pas, je suppose qu'on va remonter. Je commence à me repérer un peu dans ce truc de merde. Je déteste l'ambiance qu'il y a dans cette prison en tout cas. C'est vraiment de la merde. Il y a quelque chose ici? Oh, y a toujours des cancres là par terre, ça va? Oh, ta gueule, hein. C'est bon, je souffre plus que toi, enfoiré. Un cadenas robuste qui est en bon état. On pouvait pas utiliser l'objet de cette façon. Ah, mais attendez, la porte rouillée, là, j'ai toujours mon chisel truc, là. Ça y est, la porte fermée avec la serrure fragile, là. Je me souviens. Je peux crocheter plus ou moins les portes, enfin un truc du genre. C'était où déjà? Je crois que c'était cette porte là. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas utiliser l'objet de cette façon, tu te fous de ma gueule. J'ai un ciseau. Il faut quelque chose d'autre. Y a pas un marteau qui traîne dans le coin? Il va durer une heure le live, Toxirao. Un marteau. Fou, lolo. Regarde la bougie deux secondes là. Ah bah non, il est revenu là. La tête est au bord de l'explosion, les mains tremblent. Ah bien. Ok, bon. Allumons un peu la torche. Il faut que je trouve un putain de marteau. C'est quoi ici? C'est des endroits pour se planquer? Genre, il y a un monstre qui poursuit, tu viens ici? C'est cool ça, faut retenir. Merde, je croyais que c'était une lanterne ça. Bien. Allumons ici pour dire que je suis passé ici. Je crois que je vais me repérer aux torches. Hein. Je vais me repérer aux torches. Putain. Oh putain, j'ai les cafards noirs devant la vision là. Mais pourtant je suis pas. Je suis juste en la tête au bord de l'explosion, les mains tremblent. Bordel. Non, je veux pas sucer, merci. Ça ira. Oui, la tête est au bord de la... Oh, un léger mal de tête! Mon dieu, on va continuer à regarder cette lampe torche, elle a des propriétés étrangement curatives. Bonsoir, Cassé Chris. Oui, le chat bug, là. Ah,
Le léger mal de tête, est-ce que je pourrais avoir un esprit clair, enfin un esprit sain dans un corps sain, vous savez, les conneries du genre là. Salut Calican. Je vais bien, oui. Merci beaucoup. Ah, cette torche est magnifique, sérieux, elle guérit tous les maux. C'est la torche d'abondance. Enfin. C'est merveilleux! Oui, là aussi, vous en faites pas, hein. J'ai aussi 5 lignes qui arrivent là d'un coup. Bon, ben, léger mal de tête, voilà. C'est bon, on va pouvoir continuer. J'avais vu un marteau dans une pièce, mais va savoir laquelle. J'en ai pas la moindre foutue idée. Peut-être celle-là, tiens. Il y a nouveau un avion qui passe au-dessus du château. C'est franchement ça que ça. Ah non, c'est un mal de tête in-game, t'en fais pas, hein. Si j'avais mal à la tête, j'aurais pas annoncé un live. Des souris? Ah bah oui, c'est vrai, c'est des souris, c'est pas des cancres là, c'est des souris. Ah, quand j'ai la tête qui va bien, je vois des souris pour de vrai. Ah putain, j'y croyais pas, mais en fait, c'est vrai. C'est que des souris. Ouais, serrure rouillée. J'avais vu un marteau dans une des pièces, bordel, on est où mon huile? Ça va. Bon, ici, il y a Sanchez. Bon, je crois que j'ai fait tous les tâches du haut. Si vous me faites apparaître un monstre maintenant, je vous égorge les développeurs, c'est clair? C'est quoi ici? Zone de cellule 1. Mais je suis pas venu ici! Si, 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 bah oui, c'est là où on entre. Bordel. Ouais, je suis perdu, 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 perdu. Et me connaissant, je vais bientôt plus avoir d'huile. Il n'y a rien sous le lit. Si tant est qu'on puisse appeler ça un lit. Oui, je vais bientôt plus avoir d'huile, mais ça c'est la routine, les fils, c'est la routine. D'ailleurs, on va éteindre la lampe torche, hein. Enfin, la lampe torche. L'espèce de merde qui me sert de lumière. Attendez, c'est allumé là-bas. Pourquoi est-ce allumé? C'était ici que j'avais vu un marteau. Ici! Oui! Je le savais. Ramassez marteau. Ça a résolu une énigme là, non? Non, même pas. Bande d'enfoirés. Bon, maintenant, il faut que je trouve le moyen de remonter. C'était un vrai monstre, ça, ou... Dans le doute, on s'enferme. Oui, je suis courageux comme d'hab. Bonjour. Monstre, pas monstre? Oui, non, on s'en fout, allez hop, on y va. Peut-être que je peux utiliser... Il est derrière la porte. Tout va bien. Du moins, je crois qu'il est derrière la porte. Bon, allez, on va regarder la bougie. Regarde la bougie, Daniel. Elle est belle, ma bougie. Elle est belle. Ah bon? J'ai eu des déclarations d'amour de qui? Probablement Dark Onyx, j'en sais rien, on verra bien. Ah. Eh bien, c'est con, Luvia, parce que j'ai... Eh oui, j'ai trouvé une petite amie. Eh oui. Ha! Ce n'est plus la peine de me faire des déclarations d'amour. J'ai actuellement ce qui s'appelle une petite copine. Joie. Ça faisait longtemps. Bah ouais, après 6 ans sans copine, ouais. Enfin, c'est encore au stade de projet pour l'instant, mais ça va venir, ça va venir. Elle était où cette putain de porte déjà? Ouais, bon, ici c'est pour sortir, d'accord, donc je dois aller à droite, je suppose. Un léger mal de tête, mon dieu, on s'améliore. Bah oui, je vais continuer obscur, bien sûr que je vais continuer obscur.
Ah ouais, we get close somehow. Putain, je me suis encore planté de direction, c'est où? Bordel, bon, ici c'est zone de cellule 1, ok. Après, je peux monter les escaliers ici, c'est là. Putain, connerie. Ensuite, la porte a été où déjà? La tête est au bord de l'explosion, tout va bien. Merci, c'est gentil, ça me fait perdre encore un peu plus d'équilibre mental. J'apprécie le geste. C'est vraiment sympa, les gars. Pourquoi ma souris est aussi décalée? Ah bah tiens. Là, il y avait le... la porte, je peux essayer. Un cadenas robuste qui est en bon état, on va quand même essayer. Mon dieu, c'était une énigme à résoudre d'ajouter... De mettre le marteau et le ciseau ensemble, quoi. C'est un métal solide en bon état, il n'est d'aucune utilité. Ouais. Ok. Bon, bah, j'ai plus qu'à retrouver l'autre porte qui était foutue là. Enfin, l'autre porte qui était fermée. Je sais plus où elle était d'ailleurs. C'est ici? Oui! On essaye. Yes! Je progresse. Je progresse, les gens. De l'huile? De l'huile à fond? Attends, c'était pour ça? Juste pour ça? Il n'y avait rien d'autre? Vous vous foutez de ma gueule? Il devait y avoir un objet, une connerie du genre. Oh, mais pitié! Non, sérieux! C'est juste pour avoir de l'huile? De qui vous vous foutez de la gueule, là? Non, mais sérieux, quoi. J'ai fait tout le truc avec le marteau-ciseau pour avoir de l'huile. Allô, allô, sous de votre gueule, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Voilà. Je vais montrer mon énervement avec cette chaîne. Ah! Je déteste ça! Et toi aussi, chaîne de merde, je te déteste! Oh putain! Ouais, de l'huile et de l'équilibre mental. Ouais, on peut citer l'équilibre mental, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire? Memento. Chercher un autre chemin autour de la porte barrée. Ouais, t'es gentil, mais il n'y en a pas d'autre de chemin. À moins qu'il y ait un chemin dans cette pièce de merde. Ce qui n'est pas le cas. Et il y a le chat qui délire là avec je sais pas quoi. Oh merde, un bout de plastique, faut que je retire. Voilà. C'est mieux. Mais bref, il doit bien y avoir quelque chose à faire ici, c'est pas possible. Genre, il y a des squelettes, qu'est-ce que tu veux que j'en foute, quoi? Il y en a partout. Ah, c'est pas possible, cette pièce doit servir à quelque chose. Enfin. Ou alors il va se passer quelque chose quand je vais sortir de la pièce? Je sais pas. Allez, on va refaire un petit coup de chaîne hein, pour la forme. Ah, vilaine. J'aime pas les chaînes. Bonjour. Chérie, je suis rentré. Allez hop. J'ai rempli la lanterne avec quelques gouttes d'huile. Joie et bonheur intense. Alors, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est de la grosse saloperie. Je ne sais absolument pas ce que je dois faire. Je ne sais pas. Y'a rien, y'a rien nulle part, y'a des souris qui gueulent comme jamais. Ah bah attendez, je peux peut-être agrandir le trou avec le marteau et le ciseau. C'était ça, en plus. Yes! Ça me déplairait pas, Dark Onyx, ça.
Ça me déplairait pas. Marchant avec précaution sur la terre inconnue, il regarda par-dessus son épaule ses compagnons de voyage. L'escorte toucha le bout de chapeau en guise de je sais pas quoi. J'ai pas eu le temps de dire la fin. C'est quoi ça? Genre, ils ont bien creusé, hein? Putain. Gauche ou droite, bordel? Bon, bah, disons droite. Ah bah, droite, ça a l'air d'être la sortie officielle. On va essayer à gauche, tiens. On va aller voir ce qu'il y a à gauche. Du coup. Bah, à gauche, y'a rien, c'est juste bouché, ok. Alors, allons-y. Re-réflexe 26. J'ai passé une demi-heure à tourner en rond, t'as absolument rien loupé. Je peux déplacer les rochers. Coucou, je suis là. Y'a personne. Je me sens seul. Ah bah je sais pas, essayons cette porte, tiens. Ça veut pas bouger. J'avais pourtant un bon feeling avec, fais chier. Ah bah ouais. C'est vrai, c'était là qu'il y a la porte verrouillée avec le cadenas en excellent état. C'est quoi ici? Cuisine! Allons vers la cuisine, j'ai un bon feeling avec la cuisine. Eh bah! Super, c'est bien éclairé, il n'y a pas l'air d'y avoir de monstres. Qu'est-ce que ça dit ça? Je viens d'arriver au village d'Altstadt, c'est un asile au milieu d'une vaste forêt, et c'est le dernier arrêt avant ma destination finale, le château de Brennenburg. Il est tard dans la soirée, et l'escorte qui était avec la diligence depuis Brême m'a conseillé d'attendre jusqu'au matin avant d'aller au plus loin. F-E-E-L-I-N-G. Der Müller. Der Müller. I see the men who fell victim in London. The same scenes over and over. They are dead because of me. La manière dont parle Daniel à foutre des S partout là où ça a rien à foutre là, ça me rappelle un peu la sœur de Legolas dans Silent Hill. You must follow the path. Wow, il s'est désintégré le cochon. Non, je vais pas toucher ça à main nue, je le sens pas là. J'ai pas un récipient? Non. Ça fait quoi si je mets une bouteille dans le... Oups, loupé. Si je mets une bouteille dans l'acide, ça fait quoi? Bah... Wow! Putain! Tête-cheu! Sursaut de merde! On va en remettre une deuxième, c'était marrant. On s'écarte. D'ailleurs, mon équipemental est clair comme l'eau de roche, dis donc, c'est tellement rare. Alors, je suppose que je dois récupérer un récipient pour prendre de ce truc là, mais je sais pas pourquoi. En fait, you must follow the path. Ah là là, y a rien d'autre ici, je veux être sûr avant de repartir là. Oh, est-ce que je peux cramer une caisse? Alors ça peut tout dissoudre, les trucs de cochon, les bouteilles en verre, mais le bois va te faire foutre, ça ne se dissout pas. Logique. Make sense to me. Ah bah tiens, celle-là, elle est plus petite, elle rentre peut-être. Ah bah celle-là, elle se dissout, c'est logique. Il y a des cochons morts. Bon bah on va se casser, hein, parce qu'apparemment j'ai encore rien à faire ici, on va juste allumer la petite bougie ici. Ouh, un peu plus de lumière, c'est classe.
Oh! On va aller mettre le pain rassis dans l'acide. C'est juste le dernier, hein, je m'amuse là. Ouais! Bon bah allons-y, hein. Après tout, mon esprit est clair comme de l'eau de roche. Qu'est-ce qui peut arriver? Un monstre qui me sauterait à la gueule? Ouais, ça, ça pourrait arriver éventuellement. Bon, alors là, j'ai été à la... Putain de merde, je le sentais. Putain! Faites qu'il m'ait pas vu. Et merde! Bonjour, Grunt, comment ça va? Ouais, t'as la classe. Ouais, vas-y, tape. De toute façon, au point, j'en suis. Ah, bordel. Pff, la prochaine fois, je me fous en haut des caisses, quoi. Ouais, vous devez continuer. Non! Seriously, bro? Je dois continuer? Ça veut pas bouger, ouais, c'est ça. Putain de merde. Allô? Non, personne, ok. Bon, la cuisine, c'était une mauvaise idée, d'accord. On va plutôt aller vers... Stockage. Nicolas Stockage. Oui, j'ai repris une blague de Willong, je suis fier. Hop, Stockage. Amnésia. Quoi, help me? Y'a quelqu'un qui a dit help me? Vous êtes où, monsieur? Je vous aide. J'ai envie d'avoir un compagnon de voyage. T'es où? T'es où? T'es où? Vas-y, dis-moi où t'es, quoi. Stockage. C'est par là. Je sais pas, je le sens bien, le Stockage. C'est rudement sombre, ici. Stockage, c'est où, bordel? Cuisine, ok. Et Stockage. Oui, bonjour monsieur le monstre, oui c'est ça, passe tout droit. Moi, je fais que passer, ok? 3 August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates, gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters, and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. An eerie gloom. Strange serpent. Daniel, il se prend pour Rambo de temps en temps, hein. And their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Super. Y'a pas une torche à allumer ici, parce que là... Regarde la torche. Regarde la torche, putain, j'ai un de ces décalages souris, là. Et merde. Alors là, c'est du foutage de gueule. Non mais sérieux, je m'écroule avec le grunt qui arrive derrière. Non mais sérieux, quoi. Non mais oh. Putain, bien sûr, ouais, vous devez continuer. C'est pas comme ça que je vais continuer, connard de jeu. Foutage de gueule intégrale, là. Il m'a refoutu où, le jeu, là? Je suis où? Ah bah, je suis dans la pièce où je voulais être. Et tout ça, c'était pour récupérer de l'huile, c'est tout? Waouh. Léger foutage de gueule. Non mais à la limite là ça me fait même plus peur quoi, c'est juste du troll. Et du gros troll hein, du bon gros troll comme on aime. Nicolas Stockage c'est par où? Stockage, par là. Ah bien le monstre il est parti dans l'autre sens avant.
Putain, c'est loin le stockage, hein. Super, on va pouvoir se reposer ici 2 minutes. Ouh, il y a de l'amadou. Il y a aussi une bouteille qui est apparemment un objet de quête, donc je vais pas le faire parce que ça va faire ramener un monstre. Comme d'habitude, les commentaires disent plein de trucs qui n'ont aucun rapport avec le jeu ou même avec le live. Enfin, c'est une habitude, hein. Regarde la torche, Daniel, elle est belle la torche. De l'amadou, je crois que c'est un... C'est du soufre, sauf erreur de ma part. Je sais pas qui a posé la question, mais je crois que c'est du soufre. C'est bien, Tikomi, c'est bien. Alors pour ceux qui seraient sur YouTube, ouais, c'est peut-être un peu tard pour le dire, hein, mais les commentaires se lisent de haut en bas et pas de bas en haut. Hein, donc si vous avez eu du mal à suivre depuis le début, c'est normal, c'est que vous essayez de lire depuis de bas en haut. Alors que c'était de haut en bas. Oui, c'était mon troll à moi, hein, le jeu me troll depuis tout à l'heure, j'ai bien le droit de troller les utilisateurs YouTube et Dailymotion. Ma copine, elle est comme elle est. C'est tout. Bien, t'as regardé la torche assez longtemps là? Non, la tête est toujours au bord de l'explosion. On va te faire foutre, on se rapproche encore plus de la torche. Regarde là comme elle est belle. Là, je peux pas être plus près. Non, mais c'est quoi cet interrogatoire là? Oui, à droite, va un peu mieux, ouais. Je ne joue à aucun MMORPG en ce moment. Un léger mal de tête, super, on va pouvoir reprendre. Ramasser fiole en verre et il ne se passe rien. C'est louche. Je le savais. Putain. Putain de merde. Pitié, faites qu'ils viennent pas ici. La musique s'arrête pas, ça veut dire qu'il est encore là. J'ai un léger mal de tête. Ça va. Bon, il veut bien se casser. C'est bon, il est loin? La musique s'est arrêtée, mais j'ai moyen confiance. Il est là. Les portes devraient faire encore plus de bruit quand on les ouvre, je trouve. Ça y est. Il n'y a pas l'air d'y avoir de monstres. Stockage. Le cadenas est en excellent état, mais c'est gentil de me dire ça. C'est bon, vous voulez me déprimer, quoi. Je le sens pas. Je sens le gros monstre qui va me sauter à la gueule. Ah, l'acide doit être pour le cadenas, je pense, en fait. Bah, attendez, c'est là où je suis venu avant. Ça va comment la tête, Daniel? Un léger mal de tête, ça va. Non, mais j'adore comment Daniel il passe d'un extrême à l'autre. Oh, j'ai légèrement mal à la tête. 30 secondes plus tard, putain, ma tête est au bord de l'explosion, je vais m'écrouler. Ouais. Make sense to me, hein. Comme d'hab. Alors, stockage, c'est par là, donc la cuisine, ça doit être dans l'autre sens. Ouais, ça va te faire foutre avec les bruits, hein. C'est où la cuisine? C'est ici? Yeah. Y'a quoi ici? De l'huile! Magnifique! Oh, mais j'ai plein de trucs d'huile en fait! Eh, hey, je risque pas de tomber en rade avant un petit moment là! What? Oh!
on ferme pendant la cinématique, hein. Ouais, tu mérites ça, connard. Si, c'était ta faute. I should have known better. Yeah. Yeah, you know. Should have known better. Fuck you. Fuck you, man. You should have known better. I see. Putain, j'en trouve plein des trucs du journal de Daniel là. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, essayez d'imiter qui? J'essaie d'imiter personne, hein, Micolex. The orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. J'adore le bruit des mouches sur mon oreille gauche pendant que Daniel lit. Ça me fout vachement dans l'ambiance. Je vois que tout le monde s'est fixé sur les mouches. Hein. En plus, c'est un loop de une demi-seconde, hein, le truc de mouche. Je sais pas, Leafis, faut déjà que je finisse Amnésia, on verra bien d'ici là. Hein. J'ai même pas lu ce qu'il avait à dire, Daniel, en fait j'en ai eu rien à foutre. J'en ai marre! Il est là-bas. Il me voit ou pas? Vas-y, c'est ça. Pars tout droit, casse-toi, je te veux pas. C'est ça, il a peur. On essaie de refermer la porte lentement. Voilà. Tellement lentement. On attend qu'il se casse un peu plus loin. Oh! Eh, j'avais pas vu ce mec-là avant. C'est charmant. On va attendre qu'il se casse, hein. Moi, tant qu'il y a la musique, ça veut dire que je peux pas y aller. Bref, la musique est toujours là, je suis plein d'huile, mais la tête est au bord de l'explosion, ça me plaît pas. Ah, il a le cul en l'air, ouais. Bon, c'est bientôt fini cette musique. Sérieux, tant que la musique est là, ça veut dire... Non, c'est pas une invitation, j'irai pas. Bon, en attendant que la musique s'arrête, j'ai le temps d'aller checker mes mails, hein. Voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? Eh ben, il y a plein de gens qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont laissé des commentaires. Lily qui a laissé un commentaire... Pour dire, j'essaie juste de trouver une excuse pour ne pas l'accabler davantage. Eli qui a ajouté un commentaire sur Obscur. Ah ah ah, 9 minutes 55. J'ai aussi tout de suite pensé à Gollum. Sinon, il a l'air sympa ce jeu. Je ne connaissais pas du tout. Super. Bref. On y va. Le monstre s'est cassé. C'est très très bien. Qui reste cassé, hein. Alors logiquement la couchine, ah, je sais par là. Bon, c'est bon, vos gueules là. Daniel, arrête d'entendre des voix, c'est chiant. Je suis perdu. Je sais plus où est la cuisine. Quoique, je me rappelle de cette fumée là. Plus ou moins. Stockage. Non, attendez, ça loupe là. J'aille par là. Qu'est-ce qu'il y a avec Dania? Pourquoi tout le monde lui dit oui? Ouais, je doute que ce soit Schmidt qui ait fait la cuisine ici. Oh, attendez. Ça me dit rien ici.
Ah si, c'est là. La cuisine, c'est moi et Schmitt, voilà. On va allumer un peu la lumière, hein, parce que l'autre compte Daniel, il flippe là. Bon, ici je suis sûr que dès que j'aurai pris de l'huile, même avant que j'aie pris de l'huile, putain, j'ai même pas le temps de prendre l'acide là, ils te font déjà apparaître un monstre, si c'est pas du sadisme. Eh bon, je reste planqué ici, de toute façon j'ai pas le choix, hein. Y a pas d'autre endroit où se planquer. Bah il est là, hein. Je sais pas ce qu'il me veut, apparemment il veut un autographe. Bon, je sais pas ce que vous avez là avec la bite, la fellation, cunilingus et tous les trucs en rapport au sexe. Vous êtes juste chiant avec ça, quoi. Non, moi je veux voir le monstre quand il arrive. Attends, eh oh. Bon, ça se calme la musique, là j'aimerais sortir. Oh là là, c'est long. Bon, moi je suis à la lumière, Daniel il est pas en train de péter un plomb. Tout va bien. Je fais quoi? J'essaie de lui lancer de l'acide à la gueule ou quoi? Non, j'en ai jamais rencontré un. Ça y est, la musique s'est calmée? Vous voulez dire que le monstre s'est réellement barré? Non, parce que des fois ça troll, hein. Des fois t'as la musique qui s'arrête et pouf, va te faire foutre, le monstre apparaît quand même. Bon. J'avais trouvé une bouteille. Elle est où? Ah, elle est là. La fiole en verre garde l'acide sans risque. Maintenant, il faut que je suppose que j'aille ouvrir la porte. Elle est comment ma tête? Allez, j'ai mal de tête. J'adore parce que... Non mais, regardez-moi ça. Sérieux, pensons à la logique du jeu. Daniel, dans le noir, il pète un plomb, il s'écroule, il devient un grunt. Mais avec un grunt dans la même pièce qui est en train de le chercher, c'est bon, pas de problème. J'ai un léger mal de tête, c'est un petit inconvénient, ça m'arrive tous les jours. Oui, tout à fait. Logique, Daniel. C'était par où déjà? Oh, j'en sais rien, je vais prendre par là. Pas bouger, ok. Là, il y a le cadenas, je peux me créer un raccourci normalement avec l'acide. Ça ne ferait aucun bien. Et qu'est-ce que t'en sais avant d'essayer? Ah, bordel. N'empêche, je pourrais me planquer ici si je me fais poursuivre par un monstre. C'est bon à savoir, ça. Stockage. La dernière fois, j'étais allé au stockage, j'étais tombé sur une porte... avec cadenas. Je me souviens. Faut juste que je retrouve la dite porte. Non mais j'aime bien parce que les monstres ils sont polis aussi, hein. C'est genre j'arrive mais je fais bien un gros cri pour te signaler que je suis là. J'essaie pas de te prendre par surprise. C'est gentil. Je sais pas, je vais aller par là pour une fois. C'est quoi cette porte ouverte là-bas? C'est quoi cette porte ouverte ici? Je suis déjà venu ici moi? J'ai un doute. Il me semble que je suis déjà venu ici mais... J'ai un léger doute. Bon, allumez un peu de lanterne là parce que j'ai encore une fiole remplie d'huile là. Oh ta gueule Daniel. Ah c'était là. Ouais c'est ça un message. Ouais youpi. Je m'en fous. Tiens de l'amadou. Oh attends 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 attends. Je le sens très très mal. Qu'est-ce que ça dit? La porte menant en dehors de cette zone est fermée par un cadenas rouillé.
L'acide a sévèrement affaibli le cadenas. Wow. Je me casse. Je le sentais venir, le monstre derrière. Ouais. Zone passée. Zone passée. Yeah. Putain, on a passé la zone, quoi. Oh, c'est une safe zone. C'est l'endroit parfait pour arrêter ce live ici, les gens. So you use the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Non, non, après ce live-là, j'arrête ça. Faut... je veux juste explorer un peu la zone. Et une échelle, là. Ah, il y a un levier. Il faut graisser ces engrenages. Qu'est-ce que c'est que ça? Un récipient nécessaire pour transporter l'huile. Ah bon. Ah bah apparemment il fallait faire ça. Après Amnesia, je ne fais pas de live. C'est une heure de live sur Amnesia et puis c'est tout. Pouf. Ramasser fiole d'huile en verre. On va essayer. Comment je suis trop fort? Quoi? Mais qui a l'idée de foutre un tuyau ici? Est-ce que je peux péter le tuyau? Genre, je sais pas moi, hein. Non. Genre, je peux pas péter le tuyau en fait. Ça sert à rien ce que je fais là. Il reste encore 3 minutes de live. Je peux passer ces 3 minutes. Je peux passer ces 3 minutes à essayer de... Bon, écoutez, je vais explorer un peu ailleurs, hein. Mais il n'y a aucun endroit à explorer. Il faudrait vraiment que je monte ici, mais comment? Un tuyau cassé bloque l'échelle. Il y en a au moins été un peu endommagé pendant l'impact. Ok, d'accord. Donc il faut bien que j'envoie des trucs dessus. C'est pas possible. Genre... Mais vas-y, ça change rien. Attends, moi. J'ai une meilleure idée. On remonte l'échelle. Et on la redescend. Ah bah c'est ça, c'est magnifique. Logique. Logique. Je me fais applaudir par une glace, ça fait plaisir. Oui, sauf que j'ai eu l'idée avant que vous me le disiez, hein. Juste pour dire. Bon, bah ici, je sens la salle de merde, donc du coup, on va s'arrêter là. Attendez, il y a des leviers, ils servent à quoi? Réparer la machine qui actionne le pont est, ok. Et là, ça doit être pour le pont ouest. Oh! Celle-là est activée. Donc on va aller sauvegarder devant la porte là-bas. Et bref, on s'arrête là. Voilà. Donc on va citer un peu les pseudos qui étaient là, hein, si j'y arrive, vu comment j'ai les... vu comment j'ai les trucs en double. Donc on avait Peluche, on avait Max, on avait Luvia, Cornetto, Ange Sinistre, Cassé Chris, Lin Layo, Toxicrow, Lifis, Amana, Drac le Dragon, Max, Taralia 73, Zetriox, Oupa, Camille, Micolex, Sophie Calimero, Dralnia, Dark Ionix, Hicham 4501, puis je crois que c'est tout. Si, il y avait Tikomi aussi, il y avait Tu veux pas sucer, ouais, super le pseudo, bravo, on sent la maturité.
Pluton le gardien. Et Lily, je crois que je l'avais déjà dit. Mais bref, Camille aussi. Et là, de toute façon, ça va trop vite pour moi. Donc, on va s'arrêter là. Allez, à plus les gens, à plus tout le monde. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait extrêmement plaisir de reprendre ce live. C'était vachement sympa, j'ai adoré le faire. Voilà, les trucs défilent trop vite pour que je puisse les lire. Mais voilà, je suppose que vous vous dites... Je sais pas quand j'estime le prochain live, c'est toujours un peu à l'arrache. De toute façon, je fais une annonce sur YouTube et Dailymotion quand ça arrive. Oui, parce que je fais aussi des annonces sur Dailymotion. Pour ceux qui regardent sur Dailymotion, il y en a quelques-uns. Merci à eux d'ailleurs. Et c'est à peu près tout. Allez hop, ciao les gens, c'était Nazband pour vous servir. Bye. Et j'attends que tout le monde ait la fin de cette phrase pour couper le live. Restez avec moi les gars. Couvrez derrière, je couvre devant. Vous êtes où? Je survis, je sais pas quoi.